Salut tout le monde! Avant, j'étais Jimmy Falcone, un capot de la mafia new-yorkaise. Je suis sûr que vous pensez qu'être mafieux, ça veut dire casser des jambes puis préparer des bottines en béton. Puis vous avez pas tort. C'est vrai qu'on carburait à la violence même les jours tranquilles. Je t'ai eu! Bien visé, Jimmy! Mais avec tous les autres clans, j'étais vraiment doué pour maintenir la paix. J'étais comme un arbitre pour les criminels. Par exemple, j'étais ben chum avec les gars de la mafia russe. Hey Boris, j'ai de la bonne vodka. On se saoule la gueule puis on se moque des triades. J'étais respectueux envers la mafia chinoise. Je vous souhaite une bonne année! Quoi? Je l'ai manqué? Vous arrêtez pas de changer à date. En tes cas, Chen, tu vas vraiment te laisser marcher sur les pieds par les Popov? Lequel de vous trois est Chen? Hey, j'avais même mes entrées dans la mafia gay. Oh my God! Tes souliers vont pas du tout avec ta cravate rouge, Danny. Tu peux bien parler, toi. T'as porté du beige en décembre. les gars, faudrait qu'on parle des Chinois. Ils ont vraiment une dent contre vous autres. En fin de compte, la marre de pognée solide entre les Russes, les Chinois pis les gays. Puis j'avais rien à voir avec ça. Jusqu'à ce que je reprenne leur business. Pas Castor, je suis Jimmy McDougall, je suis dans un programme de protection au Canada où ils connaissent rien pantoute au maintien de la paix. Non, en fait, pas les forces armées canadiennes sont reconnues pour être... La ferme, OK? J'ai pas fini de parler. Qu'est-ce que je disais donc? Ah oui, faut pas rêver, hein? Laissez-moi vous parler d'un ami qui s'appelait Jimmy. Assez futé, il s'est tissé capot dans le Clagambini. En découvrant que l'oncle Cheech se trouvait dans le mire, il balance le patron du 19e sans coup faire rire. Subito presto, tous les truands veulent sa peau. Et Jimmy n'a pas le choix, il passe à table, lâche le morceau. Il doit changer de camp s'il ne veut pas qu'on le condamne. Il vend tous ses amis et se cache en Saskatchewan. Faut pas rêver, faut pas rêver, faut pas rêver. Hey, faut pas rêver. Hey Jimmy, le gothique de ces routiers est fini, puis il faudrait qu'on retourne chez le concessionnaire. Oublie ce que j'ai dit. T'as-tu faim? J'ai un petit creux. Je vais prendre un burger de chevreuil plus une portion de panache. Ça a l'air bon, même chose pour moi. Non, j'ai changé d'idée, je vais prendre un burger de bison. Non, sais-tu quoi? Je vais prendre un chevreuil. Tiens-toi, Cheech! Jimmy, je pense qu'on est retourné dans le passé, dans un épisode de la petite maison dans la prairie. Êtes-vous blessé, étranger? Qu'est-ce qui vous prend de vous promener en calèche sur le territoire des motoneiges? En réalité, vous êtes sur le territoire des Mennonites. C'est quoi cette affaire-là? C'est la compagnie qui fait du déodorant? Non, étranger. On est une communauté humble et pieuse qui rejette les commodités du monde moderne, comme les voitures, l'électricité et les zippers. Fait qu'en d'autres mots, vous êtes pauvres. J'espère que tu vas te refaire. En fait, on vient d'une branche ultra-orthodoxe du mouvement Mennonite. On s'est séparés du reste de nos frères en 19... Yo, le rabbin, c'est bien intéressant ce que tu dis, mais faut que j'y aille. J'ai bien peur que votre cochon de fer ne soit mort. Ça a l'air qu'on va marcher jusqu'à Regina. Regina? Nous allons aussi vers cette ville de péché telle Sodome et Gomorre. Je suis Jacob. Voici mes frères, Samuel et Ellie. Nous allons faire notre Rumspringa. Vous allez chez Jerry Springer? Rumspringa est une période durant laquelle les jeunes Mennonites quittent la communauté pour se frotter aux mœurs de la société moderne. On va là-bas pour avoir ce que vous appelez du gros fun. Savez-vous par hasard où on pourrait s'en procurer? On fait un deal. Donnez-nous un lift jusqu'en ville, puis on va vous aider à trouver ce que vous cherchez. Vous feriez vraiment ça pour nous? Wow, on se calme. Rajoutez quelques poulets, puis on a un deal. Quel genre de fun vous voulez avoir? Le genre Disneyland ou manoir Playboy? Jacob, Samuel, là! Regardez les lumières de la cité d'Émeraude! Magnifique! Hey, on marche, nous autres, là! Veux-tu bien me dire où c'est que vous étiez? Puis parlant que vous avez volé une motoneige? On n'a rien volé pantoute, on est allé faire un essai routier, OK? Il a échoué. Jimmy, je vous ai déjà dit qu'il ne fallait pas prendre des choses qui ne vous appartiennent pas. Les Canadiens ne font pas ça, sauf les terres autochtones. Mais ça, on préfère nier que c'est arrivé. Ce que je veux dire, c'est quel genre de pays serions-nous si tout le monde pouvait simplement prendre ce qu'il voulait sans jamais se préoccuper des autres? Les États-Unis? Exactement. Pis c'est qui ces gars-là? Lui, c'est Jacob, pis...
Ce gars-là, puis ce gars-là. Jimmy, qu'est-ce que les acteurs de Witness font ici? Écoute bien, Cookie. C'est trois méningites qui font un RuPaul style skin puis qui veulent avoir du fun. Parlant de fun, justement, il faut que j'aille aux toilettes. Et moi, il faut que j'aille faire des courses vu qu'on a des invités. Relax. Il apporte le souper. Salut, je suis Teresa. Salut. Moi, c'est Jacob. Je suis là pour découvrir les attraits de la grande ville. Ben, mon beau, t'es vraiment au bon endroit. On sort, je vais lui montrer mes attraits. Je vais dire mes attractions. Les attractions. Bye. Écoute bien, rum springo ou pas, je m'attends à ce que tu te comportes comme un vrai gentleman. Tu rentres à minuit, puis tu conduis pas si tu bois. Je ne bois pas et je ne conduis pas. Cool. OK, à cette heure, va t'amuser. Cheech puis moi, on a promis aux deux autres qu'on allait les sortir. Jimmy, faites très attention à ces jeunes hommes. Trop souvent, j'ai vu des rumspringa mal tourner quand la modernité devient trop excitante pour les jeunes mennonites. Relax, mais cool, c'est quand même pas des hommes des cavernes. L'eau de votre puits est claire et fraîche et bleue. Oh, Jacob, tes bras de fermier me donnent l'impression d'être sur la page couverture de Romoir Lequin. Puis en plus de ça, je viens de me rendre compte que ma robe est déchirée. Je crois, Teresa, que t'es la plus belle fille que j'ai jamais rencontrée. Je crois, Jacob, que t'as raison. T'es aussi la seule fille que j'ai rencontrée avec qui j'ai pas de lien de parenté. Ah! Toi, t'es un gentleman. Je propose qu'on commence par prendre une coupe de drink au bar en haut de la demi-tour, puis après, on ira voir le spectacle de Serpent et Minou. Oh oui, le chat est tellement charmeur! Ça a juste 5 étages de haut, mais quand il fait beau, on peut voir le paysage. Puis même là, c'est pas grand-chose. Comment est-ce possible? On n'est plus où on se trouvait au départ. On est venu ici dans un gros VUS de 60 000 piastres, puis c'est l'ascenseur qui vous énerve. Je me demande quelle merveille nous attend au numéro 3. C'est pas des lumières, hein? Puis c'est le gars qui oublie de mettre un pantalon qui parle. Oh, maudite mal! On aurait pu penser que 4 heures passées à se promener dans le placard magique auraient comblé votre besoin d'action, mais non! Fallait que vous alliez tirer sur la rame de feu. Teresa! Papa! Mes frères, Teresa a érigé une poutre dans mon pantalon! Papa, calme-toi! Voyons, on n'a rien fait! On n'a rien fait? Alors pourquoi mes Unterhausen sont humides? M'a tué! Jimmy, qu'est-ce que t'as crié? Je m'apprête seulement à transformer le Quaker en gruau! Papa, on s'est juste embrassé un petit peu, rien de plus! Jacob et moi, on est amoureux. Il m'a invité à aller vivre dans son village avec toute sa famille, puis j'ai dit oui. Ah, Seigneur! Je l'aime d'un amour profond, pas juste un amour qui dure le temps d'une semaine dans le sud. Peux-tu avoir sa chambre? Teresa, es-tu consciente que Jacob est un mennonite? Je pense que tu veux dire météorite, puis oui, c'est mon météorite. Teresa Maria Falcone, il est hors de question que tu t'en ailles vivre avec le premier barbu que tu rencontres. Non, c'est vraiment pas juste. Je suis assez vieille pour faire mes propres erreurs. Si je comprends bien, t'as l'intention de vivre sans électricité. Notre amour est électrique. Sans eau courante non plus. L'amour de Jacob est le seul fluide dont j'ai besoin. Excuse-moi, mais toi, sur une ferme? Elle y va pour vrai. Tu vas vraiment la laisser faire? Fais-toi sur moi, elle va être revenue avant le souper. Un petit pari à 3 contre 1, ça t'intéresse-tu? 50 piastres qu'elle va dormir ici à soir. Moi aussi, je veux participer. Moi, j'aborde le gambling. Mais je parie 20 $ sur demain midi. Quelle agréable promenade! Et ça nous a seulement pris 9 heures! Faut vraiment que tu fasses réparer la chaufferette. Oh, j'entends mon père qui arrive. Relax, les pas m'adorent. Jacob, qu'est-ce que c'est? Tu devais aller seulement te frotter au monde moderne, pas le ramener avec toi. Cher père, je vous présente Teresa. Ton père? Je te crois pas, voyons. J'aurais plutôt cru que vous étiez le frère de Jacob. Eh bien, pour tout dire, je suis un peu des deux. Bon, mademoiselle, nous n'avons pas l'habitude des étrangers. Tant que vous demeurez dans notre communauté, vous devrez respecter nos coutumes, nos principes et nos valeurs. C'est compris, papy. Alors, c'est quoi le mot de passe du réseau? Ça, c'est un centre d'achat. C'est ici qu'on vient pour acheter des choses dont on n'a pas besoin. Peut-être que vous pourriez acheter un petit quelque chose pour votre mère, un beau petit cadeau à lui offrir quand vous repartirez. Très bientôt, j'espère. Il va pas vous manger. Voulez-vous bien monter? Je me demande d'où les marches sortent. Cette merveille, c'est de la pure magie. Oui!
Samuel, regarde! Les marches, elles disparaissent! Non, approchez pour votre face des marches! À l'aide! Il veut ma couverture à menton! Attendez, on n'a pas droit à la médecine moderne. Oh! Ah! Je me sens beaucoup mieux. Oh! Encore 5 minutes! Réveille-toi, ma belle femme moderne. Jacob, pas de suite! Je me suis pas encore maquillée. Donne-moi mes produits. Oh, on ne permet pas cette horrible peinture. Jacob, je n'aime pas du tout l'extrême paresse de cette fille. Allez debout! Il ne reste que 2 heures avant le lever du soleil. C'est l'heure du déjeuner. Vous savez pas c'est quoi le sommeil réparateur? Non, on dirait que non. Je vais prendre un café puis un bagel. On interdit les bagels à cause de leur rondeur sensuelle et leur trou affriolant. OK, d'abord. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous ne comprenez pas. Les femmes ont déjeuné il y a des heures. Maintenant, c'est l'heure de préparer le déjeuner de ces messieurs. Dans mon pays, les adultes jouent pas avec de la pâte à modeler. Et ici, jouer est interdit. Je faisais une blague. C'est aussi interdit. Vous devez apprendre l'importance de faire les corvées. Regardez Helga. Elle est douée pour les tâches ménagères. C'est pourquoi elle a de nombreux soupirants. Cool, je suis super bonne pour laver les chars. On va vous trouver autre chose à faire. Qu'est-ce que vous faites ici, hein? Il y a un gars qui me doit encore son allocation. Il est au secondaire, fait que vous allez être mes hommes demain. Oh! En quoi consiste cette tâche? S'il fait son difficile, vous aurez juste à le brasser un peu. Le brasser un peu? Est-ce que c'est une sorte de danse? On ne peut pas danser. J'ai jamais dit qu'il fallait danser. Il faut juste y casser ailleurs. Oh, non! On est une communauté pacifique. On n'a pas le droit de lever la main sur une autre personne. Ben d'abord, prends ton pied. Moi, je m'en sac. Grouillez-vous. Pas de suite, maudit moron! Avant de traverser la rue, vous devez vous assurer que c'est votre tour. Attends, Gina. Le petit homme sévère nous ordonne de nous tenir comme ça. Non, non, vous avez rien compris. Vite, Samuel. La grosse main orange nous fait signe d'avancer. Coudon, êtes-vous complètement retardé? Ah, Dieu soit loué. Le médicament qui fait disparaître la douleur. Oh! Ah! Là, je me sens bien. Plus, plus! Je vous en supplie. Je vais sucer ta... Ton père m'a fait travailler comme une bête. Je suis totalement épuisée. Mais il me reste encore un peu d'énergie. On va-tu tester les bottes de foin? Tu veux plus de corvée? Teresa, tu es insatiable, ma foi. C'est ce qu'on me dit, même si je sais pas ce que ça veut dire. Oh non, non, non! Ce genre de badinage était acceptable pendant mon Rumspringa, mais maintenant, on est de retour dans le vrai monde. T'as pas envie de jouer à l'écolière Amish? Les filles Amish ne vont pas à l'école, voyons! C'est l'heure d'aller me coucher. Je vais penser à toi très fort. Mais pas avec mes mains! Méchantes mains, mains du diable! J'ai des menottes! OK, c'est officiel. C'est plate, ici. Ta gueule! Ôtez ça de vos cheveux! Ces objets de vanité sont interdits! Pourquoi? C'est juste une petite barrette? C'est beaucoup plus que ça! C'est un poignard qui va percer le cœur de notre communauté! Ceci est dangereux! Seulement si je vous l'enfonce dans l'œil. C'est moi qui commande! Il n'y a plus rien à dire, le sujet est clos! Mais moi j'ai encore quelque chose à dire! C'est de la merde! Vous avez jamais vu de train de votre vie sans joke? Uniquement de loin. On croyait que c'était des serpents de métal qui dévoraient notre âme. Voyons, c'est ridicule. L'âme, ça existe pas pour vrai. Saviez-vous que cette voie ferrée sillonnait tout le continent? D'ailleurs, au tout début, on appelait ça le chemin de fer trans. Regarde, Samuel, j'ai trouvé des médicaments. Les gars, faut pas toucher à ça. Je suis sérieux, les gars, c'est dangereux. Moi, ça me fait du bien bon. Je ne me sens pas bien du tout, Samuel.
parle. Teresa, pourquoi te promènes-tu nu-tête? Ouais, justement. Ça marche pas pantoute. Écoute, je m'attendais à quelque chose de pittoresque, comme le faire sur une courte pointe. Comme faire quoi? Tu vois, je suis pas pantoute à ma place. Pourrais-tu m'amener chez nous? Je comprends pas, Teresa. On doit se marier demain, tous les deux. Quoi? Avec l'aide de Dieu, tu seras enceinte avant la fin de la semaine. Wow! J'ai seulement 17 ans! Je suis bien trop jeune pour me marier! C'est des paroles de sorcière! Ma mère était une vieille fille de 15 ans quand elle s'est mariée. De toute façon, en montant dans ma calèche, tu acceptais de devenir ma femme! Mais ça n'a aucun sens! Ma petite brebis, t'es juste un petit peu anxieuse. On a un remède pour ça. Une pilule, ça aurait fait l'affaire. Non! Oh! Oh! On fait un autre essai. Maudite marde, va falloir que je mette mes doigts au régime. Juste tes doigts? Jimmy, Teresa a pas mis à jour son compte Twitter une seule fois depuis 12 heures. Maudit chien-pierre! Oiseau stupide. Nous vous invitons solennellement au mariage austère de Jacob et Teresa sous le regard d'un dieu sévère et impitoyable. Quoi? Vous trouverez un registre de cadeaux à la boutique dans un jardin d'Éden. Attends, j'ai-tu bien compris que Teresa allait se marier? M'a-t-en faire un mariage? Oh, mon Dieu, c'est une secte. Ma belle grande fille s'est faite kidnapper par une secte. Merde, elle va me faire perdre un paquet d'argent. Donne-moi donc ça! Comment on va faire pour RSVP? Jimmy, va chercher le fusil. On s'en va à un mariage. Je mets-tu mon costume bleu ou celui à rayures? Veux-tu bien une terre, gros pigeon? Tu sais que t'as vraiment de la chance. T'as la permission de choisir la couleur de ta robe de mariée. Gris ou gris cassé? Gris cassé, c'est beaucoup plus joli. Ah! Où c'est qui, donc, Jacob? Dans la grange, son père lui parle des oiseaux et des abeilles. Ça, c'est des oiseaux. Ça, c'est des abeilles. Ça, c'est ton pénis. Ça, c'est ton pénis quand tu prends de la drogue. Tu as des questions? Brûler mes affaires? Non! Pitié! Pas mon séchoir à cheveux! Oh! Pourquoi vous êtes contre les cheveux qui ont du volume? Voulez-vous me dire c'est quoi votre problème? Réfléchissez un peu! On n'a rien qu'une vie à vivre! Faut en profiter! Amusez-vous! Laissez personne vous dire comment la vivre! Vous pouvez en faire ce que vous voulez! Je pourrais devenir cordonnier! J'adore les souliers! Étudier au cégep? Faut oser voir grand! Je peux même être sodomite! Pourquoi pas? Tu peux être de la nationalité que tu veux! Puis arrêtez de vivre comme dans les années 50! Pourquoi passer 8 heures à préparer une miche de pain quand tu peux en acheter une déjà toute faite au dépanneur? La technologie rend votre vie plus facile! La technologie est votre amie! Oh! Elle a raison! Regardez de la pornographie! J'ai plus besoin de toi maintenant! J'espère qu'il va y avoir une fontaine de chocolat! C'est ce que j'aime le plus! Tout ça, c'est de ma faute, Jimmy. J'aurais jamais dû laisser notre fille le suivre. Ah, flagelle-toi surtout pas, Cookie. Garde ça pour le marier. Ils ont peut-être lavé le cerveau. Elle va porter une tunique pour chanter dans les aéroports. Oh, mon Dieu, ils sont peut-être sur le point de boire le Kool-Aid. Vite, Jimmy! Je te jure que je conduis le plus vite que je peux, mais je sais pas partout où je vais. La madame sexy du GPS dit plus un mot. Ici, c'est écrit. Vous quittez maintenant le monde civilisé. Si tu fais du temps rien pour gagner le pool, t'es disqualifié. En plus d'être moralement dans le trou. J'espère pouvoir me taper une coupe de demoiselle d'honneur. Te chargerais-tu d'éloigner les poubelles? C'est pas ce que je voulais dire! Les épeux sont beaucoup plus pratiques que les boutons. Je vous ai pas dit de virer ces tops, là! Je voulais juste que vous réfléchissiez par vous-même! J'ai envie de fourrer une chèvre! Je décide de m'attarder dans les bécosses 5 minutes! Bande de sang! Païen ignorant! Vous êtes tombé sous la griffe du diable! Je peux enfin sentir le vent sur mon visage? Ça brûle! Croyez-moi sur parole, la technologie vous trahira tous! Il a raison! J'ai même pas de signal la moitié du temps! Ah! Ça chauffe quand je pisse! Le diable a réussi à s'infiltrer dans notre communauté sous la forme de cette démon. C'est une sorcière. Et vous souvenez-vous de ce que nous faisons aux sorcières? Quoi donc? Elles sont brûlées vives! Oubliez pas, pensez par vous-même! Brûlez la sorcière! Ah, bâtard. Mais qu'est-ce que vous faites? Je pensais
pensais que vous étiez déjà pacifique. La ferme, sorcière. Maman, papa. Dieu merci, t'as encore tes cheveux. Mais Cheech remporte le poule. Yes. Qu'est-ce que je vais faire d'une table de poule? M'en va vous faire manger vos barbes. Courez! Cet homme-là, c'est ce barbe! Ça va être entre toi et moi ici, si top. Laissez venir à moi. Arrêtez tout de suite, gentlemen. Jimmy, déroulez vos manches, desserrez les poings et respirez un bon coup. Vous, monsieur, déposez votre fourche. Veux-tu bien me dire ce que tu fais ici? La communauté utérite d'à côté s'est plaignée du bruit. C'est satané utérite. Venez, mon bon monsieur, retournez à votre existence paisible et misogyne. Ces étrangers ne vous dérangeront plus. Vive le Canada, où on peut vivre comme on veut, tant qu'on ne fait pas trop de bruit. Attends! Jacob? Teresa, t'en vas pas! Moi, je t'aime toujours. Je suis sûr qu'avec le temps, le dur labeur t'épuisera et tu succomberas à notre façon de vivre. Ah, oh, Jacob, je suis désolée, mais je peux pas changer qui je suis pour vivre dans ton monde. En fait, je pourrais, mais je veux pas parce que ton monde est poche. Si tu ne veux pas vivre dans le mien, alors moi, je vivrai dans le tien. T'es-tu sûr que tu veux faire ça, le jeune? Ellie? Samuel? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, nom de Dieu? Je t'oublierai jamais, Jacob. Je vais t'appeler bientôt. T'envoyer un courriel. Ben, je vais te texter. Non, oh, oublie ça, je te reverrai jamais. Mon cœur est brisé. Celui de Samuel aussi. Est-ce que tu t'es fait tatouer? Qui veut un burger de chevreuil? Pas moi, la dernière fois, il y avait un sabot dedans. La 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 la